Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui sous ce beau ciel bleu du Pas-de-Calais au Lego Store de Lille. Grosse vague de sorties ce mois-ci pour le mois d'août, après un mois de juillet plutôt calme. Si vous comptiez faire des économies pour le mois de septembre, c'est mal barré. On va faire quelques kilomètres et puis je vous explique le programme en chemin. Alors au store de Lille, j'espère vous montrer les nouveautés donc du mois d'août, la gamme Dreams par exemple, grosse vague aussi. Du côté du technique, j'espère aussi qu'il y aura quelques sets montés, exposés pour pouvoir vous les présenter. La deuxième partie, deuxième étape du voyage, on va se rendre à la FNAC de Lille. Il y a une expo temporaire d'un membre de Stilug, une sorte de musée d'histoire naturelle. J'avais déjà montré ça à l'occasion d'une autre vidéo, je vais vous la faire redécouvrir. Franchement, c'est superbe. Donc voilà, vous avez le programme, direction maintenant la gare de Lens. On se retrouve ensuite à Lille directement, regardez, elle aussi, elle profite du soleil. Ça y est, on est arrivé. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans la vitrine. Alors, je suis un petit peu déçu parce que je pensais trouver la grue. Bon, on a quand même le château Disney, on a la borne d'arcade Pac-Man, et puis ici la maison, la cabane en A, et puis la très très belle Corvette C1. Ça, c'est sur la chaîne, c'est sorti la semaine dernière. Et la Batcave, alors la Batcave, elle est vraiment immense. Franchement. Il faut un gros meuble pour l'exposer. C'est 1 mètre ou 1 mètre 20 je crois de large, de très très beau détail ici à l'intérieur. On voit Alfred là ici avec Bruce. Et puis donc la Batmobile. Et puis le dessin là de Batman ici. Le symbole super. Donc voilà pour la face avant gauche. Et à droite ici on a la gamme Dreams. Lego y croit beaucoup à la gamme Dreams, ils ont déjà annoncé une deuxième vague, voir ce que ça va donner. Là ici c'est le vaisseau requin des cauchemars, j'ai montré à mon fils, il adore. Voilà. Moi en tant que papa à 139€ j'adore un petit peu moins, mais bon on va voir un petit peu, toutes les nouveautés sont arrivées, j'ai vu avec le vendeur, donc on va voir ça tout de suite. On va rentrer et puis je vais vous faire la visite du magasin. Allez maintenant comme si vous y étiez, je vous montre vite fait les rayonnages, donc ici toute la gamme Harry Potter. Je crois pas qu'il y ait une sortie là ici au mois d'août. Chemin de traverse et puis on monte ici le très beau train ici. Ah, ils en ont encore en stock hein, ici du Poudlard. En septembre il y a le Microscale qui va sortir et ça je pense que pour moi ça va être aussi des One. Voilà. Alors configuration. Comme j'avais expliqué une fois, tout en couloir, hein, tout en profondeur, on va balayer les rayons ici, c'est le rayon Star Wars. Avec le X-Wing ici. UCS tout récent. R2-D2, c'est rare de le trouver encore aujourd'hui. Ici on remonte. Alors il y a eu pas mal de sorties dans la gamme Star Wars. Beaucoup de petites, plutôt des petites boîtes. Je vais vous montrer ça juste après. Le AT-AT ici en vitrine. Splendide. Là ici, là il faut un porte-monnaie bien rempli pour pouvoir se faire plaisir ici. Et puis donc, le Razor Crest. Pas beaucoup de ventes au niveau du Razor Crest, c'est ce qu'on m'a confié. Et puis ici, quelques briquettes. Sympa la série ici là.
Et puis c'est encore accessible à 40€ pour 5 briquettes. Et puis les casques, série de casques, qui a quand même pas mal de succès. On se décale et on rentre dans le monde enchanté de Disney ici. Là, 400€. Le nouveau château qu'on a vu rapidement en vitrine. La maison de là-haut. Et puis toutes les petites babioles qui sortent pour les 100 ans de Disney. Le Hocus Pocus Heidi's. Ici quelques briquettes. Et puis, alors là, c'est pas mal non plus. Artefact des méchants à 139€. La gamme botanique. Alors si vous voulez offrir à votre femme et lui prouver votre amour éternel, vous pouvez leur offrir à vos femmes des fleurs éternelles en Lego. À vous de voir. Allez, sympa le... Sympa l'idée du pot ici là, pas mal. Et puis ça y est, on a une nouveauté ici, le Tranquil Garden qui est exposé. C'est sympa pour 1365 pièces pour 104€, c'est encore pas mal. Ils sont très axés Japon en ce moment, Lego. Ici on continue avec la gamme florale, un peu d'art ici avec la grande vague et puis. La maison de maman, j'ai raté l'avion, toujours présente. Le Jazz Club, ça gros succès, mais à l'international. Alors ça, il paraît que ça s'arrache comme des petits pains. Le Jazz Club qui est monté ici. Voilà. Ça ici, il ne faut pas tarder pour se l'offrir parce que on arrive aux 2 ans. Hein. C'est le cycle de... Ça, c'est mis en vente pendant 2 ans et puis après, ça disparaît. Donc, tardez pas trop. Ici, DeLorean. En stock, enfin. Très beau duo ici de voiture. La C1 Loop Coaster. Très beau, là, Rivendell. Alors celui-là, c'est pareil, 499€. Alors malheureusement, il n'est pas exposé. Par contre, on a ici les briquettes. Mignonne comme tout. L'Eldorado Forteresse. Alors moi, j'avais celui-ci quand j'étais petit. Et c'est sympa de le retrouver ici quand même. Ouais, c'est pas mal. Superbe. Et puis on continue ici avec. Bienvenue aux adultes, bienvenue aux porte-monnaies, bien remplis surtout. Le château d'Imeji. Architecture très très beau aussi. Hein. Et puis on descend. Voilà. Hop, du Titanic aussi. Pas toujours fréquent. Et puis on arrive enfin à la gamme technique. Alors la gamme technique, elle est là. Alors ils en ont qu'une seule, un seul exemplaire, malheureusement pas monté, pas exposé. Ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on a ici la Ford GT, la McLaren F1, la Ferrari. Celle-ci, elle est pas mal, mais alors le prix à la pièce, il est démentiel. C'est un petit peu dommage. Le John Deere. Et puis celle-ci, elle est sympa. Elle a été testée par les cubes de Léo. Allez voir le test, n'hésitez pas. Pour 50€, ça peut faire le job sur un bureau. Donc voilà pour toute la partie gauche. Une belle quantité de pièces. Et puis le mur, ici, pour construire, enfin pour choisir ses briques. Ils ont encore les anciens gobelets d'ailleurs, tiens. Normalement, c'est de nouvelles boîtes en carton. Là, ils ont gardé les anciens gobelets et on va faire une petite pause pour passer au mur d'à côté. Et on a maintenant ici la gamme Marvel. Donc avec pas mal de boîtes qui sont quand même encore accessibles. Ici, on a des Buildables, un petit peu comme on avait pour la gamme Star Wars. Toute la gamme ici, Indiana Jones. Voilà, seulement 3 boîtes au lieu de 4. Ça, c'est une nouveauté aussi. Ça, c'est le gant de Wolverine. Le buste. On remonte. Et puis ici, quelques sets. Encore une fois, Marvel, le Saint-Dessin qui est très, très souvent en promo. Franchement, ne l'achetez pas plein pot. On peut le trouver souvent à 159€. Facile. Ici, encore du Marvel. Il y a d'ailleurs des lots, hein, regardez. Ça, c'est sur le shop Lego également. On peut se faire des lots pour gratter un petit peu quelques euros. Voilà, on remonte. Et puis, encore, donc la nouveauté que je vous montrerai tout à l'heure. Ça, c'est dommage que
on ne l'ait pas exposé parce qu'il doit être sympa, l'effet en 3D doit être sympa quand même. Avec les mains qui sortent du cadre. Ça, c'est la nouveauté, elle est exposée, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis, on termine ici avec cette gamme Marvel. On enchaîne avec du Batman. Ici. Batwing, ça c'est pareil, c'est encore abordable à 37 euros. Ça peut faire le job pour le fiston. Et puis, la Batcave. Encore un coup à 400 balles. Et puis donc, du Jurassic Park. Toute la gamme ici. Et puis on va enchaîner avec des nouveautés. Donc ici, la gamme Super Mario. Beaucoup de nouveautés dans la gamme Super Mario. Dont celui-ci. Hein. Ça, c'est tout nouveau. C'est sympa, ça rappelle les niveaux, vous savez, avec le chariot, là, dans Donkey Kong Country. Donc, il est ici, avec Didi, là-haut, dans son petit avion. Ça, c'est chouette. Et puis, la top, là, qui tient la pioche. Et puis, on enchaîne ici encore avec ça. Je sais pas si c'est de la nouveauté, mais c'est sympa aussi. Ici, gamme Super Mario toujours. La bataille du château de Bowser, ça c'est une nouveauté. Donkey Kong encore une fois. Plutôt chouette. Gamme Super Mario qui devrait s'arrêter. Alors ça c'est incompréhensible parce que ça a du succès. C'est vraiment étonnant qu'ils arrêtent la gamme. Celui-là il est plutôt pas mal. Mais moi celui que j'aime vraiment c'est celui-là parce que Donkey Kong Country, j'y jouais quand j'étais gamin sur ma Super Nintendo. Le tout premier épisode et ce niveau-là. Il m'avait arraché quelques cheveux. Allez, on continue dans le jeu vidéo avec la borne Pac-Man à 269 euros qu'on peut pas encore trouver parce que ça reste une exclue. Patientez un petit peu. Une fois que ce sera dans les canaux de distribution secondaire, ce sera plus abordable ici la gamme Sonic avec quelques nouveautés encore. Alors j'ai vu des enfants tout à l'heure jouer avec ça. Eh ben, c'est pas mal du tout. C'est marrant de voir la petite boule là partir dans tous les sens. Donc je pense que ça aura du succès. Sonic, Mario. Alors si vous m'entendez là-haut chez Bidoun, si vous pouviez me faire un petit plaisir, ce serait de faire une série de minifigs dédiés jeux vidéo, franchement avec tout ce qu'ils ont déjà produit, il y a moyen de faire vraiment quelque chose de cool. Donc série de minifigs, Mario, Sonic, Zelda, pourquoi pas, parce que Zelda qui est annoncé aussi, ça pourrait être pas mal. Ici, on enchaîne avec du Minecraft, je sais pas si c'est encore beaucoup de succès ça. Et puis bien sûr, alors là par contre, l'autre grosse franchise, c'est du Ninjago. Donc Ninjago, regardez ici là. Avec la grosse nouveauté là, enfin c'est sorti il y a un petit moment maintenant déjà, mais les marchés de la ville, une grosse boîte. Hein. Et donc, ça y est, on y est, hein. La gamme Dreams. Alors la gamme Dreams, c'est pour beaucoup de monde une énigme, hein. On comprend pas trop ce qu'ils ont cherché à faire chez Lego. S'ils le font, c'est qu'ils ont dû faire sûrement des enquêtes, des recherches pour être certain que ça fonctionne. On va voir hein, ce que ça donne, faut laisser le truc se faire. Alors sachant qu'en plus il y a une deuxième vague qui a été annoncée récemment, donc deuxième vague de sortie pour 2024, donc ils y croient sûrement. Faut voir hein, un petit peu, les boîtes sont quand même assez élevées, 47 euros ici pour la petite boîte ici. C'est pas donné, hein. Ici on a celui qu'on a vu en vitrine tout à l'heure. Donc je crois que c'est 11 boîtes hein, donc, hein, qui sont sorties pour le mois d'août. On a ici la voiture crocodile, 62 euros quand même, c'est pas donné. Et puis le bus de l'espace, ici. Et puis on va pouvoir enchaîner avec ici la gamme City. Alors je vais pas trop m'étendre hein, parce que voilà, c'est déjà quand même quelques minutes de vidéo là. Gamme City qui s'étend jusqu'au bout là-haut. Voilà, on va quand même aller jeter un œil sur ce qui est construit ici. Donc là, le bateau viking, quelques 3 en 1, ça c'est sympa pour les enfants, c'est jamais trop trop cher. Alors je sais que celui-ci, c'est une nouveauté, mais dans l'autre coloris, je vois pas en... Ah bah si, il est là. Hop. Pareil, ça c'est une nouveauté. Camping-car de la plage, pour faire plaisir à des amis campeurs. Et puis on continue avec le créateur. Alors ça, je crois que c'est nouveau aussi. C'est les montagnes russes de l'espace. Ce serait sympa qu'ils réinvestissent un petit peu la gamme Space chez Lego. C'est une gamme qui avait beaucoup de succès quand on était nous-mêmes gamins. Je comprends pas que
Ils n'essayent pas de produire plus de boîtes dans, dans cette gamme. Dots, qui devrait s'arrêter aussi. Voilà. Et puis du Friends. Alors là, Friends, jardin botanique, qui est vraiment chouette. Avec les grands dômes, là, ici, en vert. Ça aussi, c'est nouveau. Centre collectif de Earth Lake City. Ouais. Je crois qu'ils ont liquidé les stocks de pièces de, des trois couleurs ici. Et puis, donc voilà, ça se termine avec les boîtes classiques, hein, créateurs classiques. Et puis, bien sûr, le Duplo, qui est un petit peu mis de côté. Le skate ici. Et puis donc, voilà, je vous laisse voir un petit peu l'aperçu du magasin, qui est quand même assez, qui est quand même assez grand. Et puis là ici, tout ce qu'il faut pour se faire une photo souvenir avec les enfants. Alors tant qu'à vous montrer le château Disney, autant aussi vous montrer l'arrière. Alors, regardez ici, alors, les pièces sont vides, mais on pourra les remplir avec les minifigs des autres séries. Donc là, ici, c'est quand même plus, les espaces sont plus grands que sur le tout premier château. Donc le jeu, hein, c'est bien sûr de retrouver le dessin animé qui est associé à la pièce. Hein. Voilà, miroir, mon beau miroir, et puis le soulier de Cendrillon, franchement. C'est presque une bonne surprise le tarif de ce château, parce que, comment dire, à 399€, il est seulement, entre guillemets, 50€ plus cher que le précédent, alors qu'il a 1000 pièces de plus, et un niveau de finition nettement supérieur. On a même d'ailleurs, regardez, ça c'est un easter egg, qui est annonciateur de la future caméra qui sort en septembre. Voilà, et donc, je vous laisse visiter un petit peu l'intérieur. Château que honnêtement je compte bien m'offrir, mais voilà, pas tout de suite, hein, c'est comme tout le monde, hein, je peux pas tout m'offrir. Donc voilà, alors de derrière c'est moins beau que de devant. Et puis donc, bah, tiens, un petit coup d'œil sur la cabane en haut. Et puis la Corvette qui est donc sur la chaîne. J'ai changé les roues, moi. J'ai changé ces roues par celles de la DeLorean qui sont nettement plus appropriées, je trouve. Donc voilà, chacun verra ce qu'il veut. Et puis donc, on termine ici, de plus près et sans les reflets, donc la gamme Dreams. Voilà, le camion ici. Et puis, oh bah tiens, ça c'est des enfants qui ont construit tout ça. Ouais, et donc, le fameux, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est très, très particulier. On verra ce que ça donne. Alors ça, c'est un nouveau centre qu'on trouve dans le magasin. Les nouveautés. Donc il est là, le bouclier. Alors, le vendeur m'a expliqué qu'en fait, ils construisent avec les clients. Donc ça, c'est une spécificité du store de Lille. Les clients, voilà, ils sont en train de le construire. C'est eux qui le montent eux-mêmes. Et puis, ils invitent les clients à se joindre à la construction. Donc forcément, là, il y a beaucoup de répétitions. Hein. Mais c'est chouette. C'est chouette de faire comme ça. Ici, quelques boîtes de la C1. Ici, ben, on voit que ça se vide au niveau du rayonnage. Les nouveautés, donc le château d'Imeji que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis donc le Zen Garden. Voilà, on a aussi ici le Hocus Pocus. Alors par contre, je ne l'avais jamais vu construit en vrai. Il est très sympa. Regardez ici, on a une technique qui permet de soulever le toit avec des lift arms techniques. Ça, c'est pas bête. Et puis donc, les persos, très très beaux persos pour ce set. 7 IDs. Alors, je fais le tour parce qu'il y a des détails de partout, sur toutes les façades. Très très beau ici. Travail sur la façade pour retranscrire les textures, c'est vraiment chouette. Voilà, le toit ici qui est plus de première jeunesse. Vraiment, vraiment sympa, ce set. Allez, un making of rapide, là je vous mets... Regardez, ça c'est la caméra qui est en train de filmer à 360 degrés. Le store, ça va permettre de faire une visite virtuelle de ce Lego store. Et je vous la mets, enfin, je vous l'ai déjà mise en ligne à l'heure où la vidéo va sortir, mais bah, ça montre un petit peu comment ça fonctionne. On change de spot et puis ça permet d'explorer tout le magasin environ 2 minutes. Alors il y a un petit trou dans le rayonnage, pourquoi ? Bah, parce que j'ai négocié avec ma femme d'abord, hein, et puis avec le responsable du magasin, je vais pouvoir me prendre la grue. Regardez, ça passe tranquillement,
sur le skate et on va pouvoir rentrer à la maison. Ça va être un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Bon allez, c'est pas raisonnable, on va la remettre en rayon. Voilà, c'est la fin de cette visite du store de Lille, j'espère que ça vous a plu. On enchaîne maintenant avec la FNAC de Lille, on va découvrir ce diorama musée d'histoire naturelle par un membre de la société Log. J'espère que ça vous plaira. C'est parti et on y va bien sûr en skate électrique. Alors ça y est, je suis à la FNAC de Lille. Ça se passe à l'espace photo, donc on a le choix de l'appareil photo de vos rêves. Et puis donc on a donc le travail d'un membre de Stilog qui est exposé ici. Donc c'est inspiré, c'est écrit ici, hein, du set Lego Ideas. Donc eux, ils ont carrément fait un musée d'histoire naturelle avec quantité phénoménale de très très beaux dinosaures. Alors pour l'instant, je vous montre ça de loin. Je vais essayer de me rapprocher. Mais pour vous montrer un petit peu plus en détail. Donc c'est ici, hein, l'affiche, elle est mise là. Que à peu près 10-12 000 pièces, hein, pour ce projet Lego que je vous avais donc montré. Hein, c'était à l'expo Stilog pour leurs 10 ans. On va zoomer et puis on va essayer de voir ça un peu plus en détail. Alors, info pratique, hein, c'est tout l'été 2023 que ce musée est exposé. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage sur l'île, à faire un petit crochet pour visiter ce petit diorama qui est bien sympa, je le disais tout à l'heure, 10-12 000 pièces environ, donc inspiré du set Ideas, du même nom. Regardez, c'est chouette, ici le travail tout autour. Bon, pause. Et ouais, jusque-là, tout allait bien. Et puis d'un coup, patatras, trois personnes de la sécurité qui débarquent et qui me demandent d'arrêter de filmer immédiatement. C'est interdit de filmer dans la FNAC de Lille, même si c'est juste un diorama de Lego. Alors pour vous situer le truc, hein, vous prenez Teddy Rainer, bah, il y avait trois exemplaires de Teddy Rainer face à moi, donc j'ai pas discuté, je me suis exécuté. Par contre, ils m'ont autorisé gentiment à prendre des photos, ce que j'ai fait. Et donc, en complément des rushs vidéo que j'avais fait avant de me faire alpaguer par la patrouille, je vais vous montrer également ces photos et puis on va pouvoir conclure là-dessus. Un petit mot pour continuer sur le processus de construction de ce mot qu'on a ici au premier plan, le tyrannosaure, le ptérodactyle à gauche et tout à droite, le triceratops. Ça, ce sont les ossements d'origine du set Lego Ideas que je vous ai présenté tout à l'heure. Tout le reste, ce sont des créations originales, des mocks réalisés et conçus par Eric, membre de Stilog, bâti Eric de son pseudo, épaulé, bien épaulé d'ailleurs par sa femme Sandrine, qui elle s'est plutôt occupée de l'agencement intérieur du musée et puis de tous les extérieurs, les aménagements extérieurs de ce musée. Donc travail collaboratif pour arriver à ce très beau résultat. Un petit mot ici sur ce diplodocus qui pour moi est le petit coup de cœur de ce très beau mock. Alors d'abord, il est gigantesque, on a en point de référence les minifigs à droite, et puis il est très bien réalisé, et puis très bonne idée aussi, c'est ce tableau qu'on retrouve un petit peu partout dans le musée, qui représente en fait les dinosaures dans leurs habitats respectifs. Ça, c'est une très bonne idée d'y avoir pensé. Bonne idée également, c'est la représentation de ce bassin avec à l'intérieur les ossements des dinosaures qui peuplaient ce milieu, et puis deux petits panneaux là ici qui sont en fait le nom des différents dinosaures du musée. Ça, c'est une idée chopée sur le set Ideas. Et puis ici les avatars, donc probablement de Sandrine et Eric. Sandrine et Eric, donc, qui sont les auteurs de ce très beau diorama. Rappel, hein, 10-12 000 pièces présentées pour la première fois à la Ch'ti Brique d'Auchy-les-Mines. Et vous pourrez la retrouver, cette création, à la Ch'ti Brique de l'Étrême les 21 et 22 octobre prochains. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous croiserez également peut-être leur très beau stand de Harry Potter. Ils sont de grands fans du petit sorcier, tout ce qui tourne autour de ce sorcier. Il possède les sets officiels et puis quelques créations personnelles. Je vous laisse admirer, regarder cette très belle collection de briquettes. On va pouvoir conclure cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors forcément, grosse déception pour moi de ne pas avoir pu vous en montrer plus.
à la FNAC de Lille, mais les consignes de sécurité, elles sont là pour être appliquées et ils ont bien raison de le faire. Mention spéciale par contre au personnel du Lego Store de Lille qui a été vraiment impeccable de bout en bout sur toute la ligne, prévenant, accueillant, le petit mot sympa à l'entrée et à la sortie du magasin, toujours prêt à s'occuper des clients. Ils ont même joué avec des enfants pour présenter les nouveautés Sonic par exemple. J'ai eu droit aussi à mon petit tampon VIP sur mon passeport, donc impeccable, vraiment je les remercie pour l'accueil. J'ai essayé de leur choper une grue, alors bien sûr j'y suis pas arrivé, encore que ça aurait pu passer là ici entre les jambes là, pourquoi pas. Problème, le skate il est assez large, mon porte-monnaie lui par contre il est pas assez, donc il va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir me l'offrir. J'aurais bien aimé d'ailleurs l'avoir exposé, ils en ont reçu qu'un seul exemplaire depuis le début août et ils l'ont toujours pas vendu, compliqué. J'ai rien acheté, rien du tout, parce qu'avec tout ce que je prévois d'acheter dans les mois à venir, eh ben, j'ai plutôt intérêt à faire des économies pour vous présenter ces sets à l'avenir sur la chaîne. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir conclure cette vidéo sous ce beau soleil du mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.